sad. And what's bad is peace, it's statistic. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le roi dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces? Ce n'est pas tout de répondre à l'invitation gratuite de Dieu. Il faut encore vivre en conformité avec son école de conduite, c'est-à-dire porter les fruits de justice, de sainteté. Reconnaissant notre pauvreté, prions le Seigneur de nous revêtir de sa richesse à nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes cœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en omission. Oui, j'ai grand péché. C'est pourquoi je soutiens la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous estimez, frères, de prier pour moi, le Seigneur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés. Conduise tous à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ,
lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je peux aussi avoir faim tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse. Dans le Christ, Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Un banquet
aux cieux. On voit dans cette image qui nous est donnée par Isaïe l'accomplissement de la volonté de Dieu, où toutes les nations sont rassemblées autour de lui. Jésus nous donne un problème humain, encore d'un banquet, mais d'un banquet qui est manqué par plusieurs des invités. Et c'est là qu'on devrait peut-être commencer notre réflexion aujourd'hui sur les Saintes Écritures. On voit ce banquet donné par un roi à l'occasion des noces de son fils. C'est un appel, un portrait de l'appel de Dieu qui nous est donné chaque jour de notre vie. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce portrait-là, l'image de parabole qui nous est donnée par Jésus? C'est le fait que l'appel du Seigneur est constant. Ça ne finit pas. Le Seigneur envoie ses serviteurs à plusieurs reprises, appelés les invités. Il le fait aussi avec nous. Le Seigneur nous appelle chaque jour à vivre notre foi. La vivre d'une façon que notre foi est quelque chose qui affecte la manière qu'on vit avec l'un et l'autre. Aujourd'hui, l'Évangile nous demande de réfléchir et de répondre à la question « Qu'est-ce que moi je fais avec cet appel de Dieu? Qu'est-ce que je fais moi dans mon cœur quand le Seigneur m'appelle? » Pour comprendre que le mystère de notre foi n'est pas quelque chose seulement du cœur ou de la terre, mais quelque chose qui affecte nos relations l'un avec l'autre. La foi n'est pas à part de la vie, et dans elle et dans le milieu de notre vie. Pour réaliser ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre au point de vue de notre foi. Ce n'est pas assez seulement de prier en silence en mon cœur. C'est important aussi de faire l'acte de foi, de se rassembler ici en communauté. C'est ici, dans la communauté, que la foi devient quelque chose qui est vraiment vivant. On voit le Seigneur dans la parabole qui nous est donnée. Un Seigneur qui choisit tout le peuple de se rassembler autour de lui. Non pas seulement les invités. Mais à la fin de l'histoire, on voit toute l'humanité qui est rassemblée autour du Seigneur. L'appel ou la réponse? C'est la grande question aujourd'hui. C'est la question au point de vue de la foi et quelque chose qui change la manière de notre vie. On regarde la vie de Jésus, on regarde la vie de celui qui nous montre qu'est-ce que c'est la foi. Et dans la vie de Jésus, on voit quelqu'un qui ne vit pas pour seulement ses propres biens, mais on voit Jésus qui vit pour le bien des autres. Et on voit plus clairement, vraiment à sa clarté, sur la croix. Jésus qui est en train de mourir, non pas pour son péché, mais pour un autre. Et ça prend de la foi pour le faire. Aujourd'hui, on garde l'histoire de sa vie qui nous est donnée dans la première lecture. On la regarde comme une image de qu'est-ce qu'on va un jour partager avec le Seigneur. Mais pour la vivre aujourd'hui, pour la vivre aujourd'hui,
pour vivre cette réalité communautaire aujourd'hui. La vie du chrétien, de la chrétienne, est une vie qui change la vie des autres. C'est une vie qui est exemplaire au point de vue de le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vient vraiment se questionner au point de vue de la manière qu'on vit notre foi. On demande au Seigneur aujourd'hui, à travers de l'Eucharistie, de nous donner le soutien qu'on a besoin, de vraiment vivre notre foi et de devenir comme Jésus, instrument de la proclamation de la bonne nouvelle qui nous est donnée par lui. La bonne nouvelle qui nous dit que le Seigneur, Dieu, le Père, nous aime. Mais en nous aimant, il vient nous exiger beaucoup de choses. Il vient nous exiger de vraiment vivre la foi qui vit. Mais ensemble, on vient contrarier notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et le Père de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert son enfant, a été crucifié et mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainteté qui s'est appelée, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La danse de Pedro, pour que nous apprenions de plus en plus à les partager, sur toute la terre, nous te prions. En toi, Seigneur, nous avons l'espoir. Seigneur, tu nous promets un bonheur inimaginable. Pour que nous sachions soulager les souffrances des autres, nous te prions. En toi, Seigneur, tu ne cesses de nous envoyer tes prophètes pour que leur message nous éveille à plus de justice, de vérité, de paix, nous te prions. Encore, Seigneur, nous te demandons de l'espoir. Seigneur, tu donnes à chacun et à chacune sa part dans ton royaume pour que nous discernions et accomplissions notre service de l'Évangile dans l'Église et le monde, nous te prions. Encore, Seigneur, pourtant, Eugénie Simard, à l'occasion de son 100e anniversaire de naissance, en action de grâce pour le témoignage de sa foi parmi sa famille, nous te prions. Thank you.
savoir nommer Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Père. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message. Thank you.
Salut. Divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que sa bénédiction vous comble de vos cœurs, notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, dans